Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma copine. On en a fait une juste avant, je vous la mets juste ici. Et donc on a décidé de craquer pour un display. Donc c'est un display Rayquaza, juste ici, un display japonais. Donc voilà, et sur ce on va passer à l'ouverture. Trop hâte. J'ai déjà le set en entier, hors secrète. Donc là c'est vraiment pour se faire plaisir, il n'y a pas d'objectif. C'est vraiment juste pour découvrir l'alternative ou la secrète trainer. Ou la secrète caca, on ne sait pas. On va croiser les doigts pour que ça soit une bonne secrète parce que c'est vraiment l'objectif du jour. C'est parti. Est-ce que tu veux la déceler? Allez. Allez, c'est parti. Par là? Bah comme tu veux, comme tu veux. Je garde pas les boîtes donc tu peux te faire plaisir. Ok. Donc c'est S7R. Ouais. Okay. C'est facile parce que R comme Rayquaza. Moi je m'en souvenais comme ça parce qu'entre le D et le R. Ah oui, mais le D c'est. C'est l'immeuble là, je sais comment ça s'appelle. Du Ralgon, je sais pas. Oui. Ok. Au final c'est facile de nous en souvenir. Yes. Beautiful. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bah je Bah super. Mais c'est super. Mais regarde, c'est super dur. Mais oh, j'avoue, oui. Moi aussi à chaque fois je galère. Ah, regarde ça. Allez, c'est bon, regarde, on va faire un truc archi bien. On va essayer de faire ça bien. Voilà, parce que j'ai un peu, j'avoue, pour m'excuser, je vais même faire comme ça. Par contre, t'as vu, c'est trop beau quand tu l'ouvres là. Vas-y, attention. Je trouve ça tellement joli, j'adore. En vrai, les boosters ils sont beaux, je trouve, les couleurs et tout. Je trouve ça trop beau. Moi, j'aime vraiment trop. On fait quoi? Je fais gauche, tu fais droite? Allez. Allez, ça part, je commence. Moi, je prends toujours le ciseau. Ouais, découpe au cas où. Parce que moi, je suis pas très très douée. Alors, je mets mon ciseau, je galère. Ok. Donc, ok. On est bon, c'est parti. Faut qu'on fasse attention aux illustrations. On va essayer de regrouper un peu les petits thèmes comme ça. Ça va nous faire... Allez, on regarde, je pousse un peu. Oh, elle est trop belle, celle-là. Celle-ci, côte au vol. Je vous la mets juste ici parce que vraiment, elle est super jolie. Elle est trop belle. Ok et Faramp, mon bébé, j'adore. Est-ce qu'on peut avoir deux secrètes? Non. Je pense que déjà, si on en a une, on va être bien. Alors. Mout, mout, mout. J'adore. Ok. J'aime bien celle-ci. Moi, j'ai acheté la gold secrète que je vous mets juste ici. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ah oui. Mais pas bon, écoute, rien de fou. Alors, je mets par couleur. Ouais. Alors, et moi, qu'est-ce que je vais avoir? Lui, il est vraiment mignon. En plus, l'illustration est super chouette. Ah, j'ai une belle carte, j'ai l'impression. Sablé rose, c'est très mignon. Ah, lui, on l'a déjà en doute. Ouais. Lui, il est beau avec les petites fleurs et tout. J'aime beaucoup. Par couleur, on a dit. Et la Dracolos V. Donc, alors, elle est super. Plutôt sympa. Moi, j'adore. Plutôt sympa. Ok. Et celle-ci, la traîne. Ok, je vous la montre juste ici. On va la sliver. Attendez, hop là, je galère. J'arrive pas. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Elle est superbe, cette fois. Tu te marres encore, Vito? Alec, il est en train de faire le montage d'une autre vidéo. Ça fait un milliard de fois qu'il rigole. Je crois que je dis vraiment n'importe quoi. Alors. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Ouais. D'ailleurs, t'as vu sur les dragons, c'est trop beau ce qu'il y a là. Ah oui, comme une sorte de griffe, non? C'est quoi? Trop beau. Ça fait belle aussi. Mais elles sont super belles celles-ci. T'as vu les yeux, elles sont vraiment cool. Elles sont énervées hein. Ouais. Posipi et Gapi sont un peu Un peu vénères quand même dans l'histoire là. Énervées. C'est parti. Sporty. Ah, il y a encore une belle carte, bah dis donc. Bah, et le côté gauche. Ouais, c'est vrai que moi j'ai rien. Ah, attends. Tiens. Ok. Ok. Ouais, bon, sympathique. Oh. Et celle-ci. Ok, donc une petite V, ça fait toujours plaisir. En plus, elle est chouette celle-là. Ouais, je la trouve sympa. C'est une belle illustration. Bien en mouvement et tout, c'est assez joli en vrai. Merci. Ah, mais... La reine de la sleeve. Ah bah bon. Pas tant. Je vais mettre les V ici. Ok, à toi. À moi. Je pré-découpe la mienne comme ça. En mode rapidité quoi. Efficacité. Alors, hop. Ah bah, vois, voilà la deuxième. Par contre, elle s'assemble pas, tu vois. Non. Mais bon, elles sont chouettes quand même. Bon, tu vois, j'ai rien, hein, j'ai pas grand chose. Ouais, c'est un peu maigre. Un peu maigre, mais peut-être que par la suite, ça sera moi qui vais plus rien avoir, tu vois. Ah, elle, je l'aime beaucoup, elle. Ouais. Elle est mignonne. Il y a la dresseuse full art du coup, à avoir dans ce set aussi. Je vais avoir, à tout moment, on va avoir une vieille 3D pour avant. Mais non. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on est trop hypé. Elle est trop cool. Celle-là, tu l'as piochée en plus. Ouais, je l'ai piochée. Attends, je vais la montrer. Juste ici. À Marie-Lise. Ouais. Elle est trop jolie, franchement. Elle est vraiment belle. C'est vrai qu'elle est belle. Et en S7D, j'avais pioché celle-ci. Qui est aussi vachement cool. Il faudrait qu'on ait une belle alternative, là.
J'aimerais trop. Oh, t'as la secrète, J'ai la secrète. J'ai vu, c'était une secrète. Soit une V, soit une traîneur. Mais tu vois, j'ai l'impression que quand je m'enflamme trop et que j'attends trop. T'as pas grand chose. J'ai l'impression que je suis déçue. Ouais. Donc là, tu vois, j'ai peur. On est un peu trop hype. J'ai peur que le karma nous rattrape, tu vois. Oh non. Moi que c'est un beau poké. Oh non, il est mort. Quelle galère. Alors. Oh, celle-là, elle est bizarre, regarde. Mais tu vois, c'est pas le même illustrateur que le Voltorb là qu'on a eu tout à l'heure. Ah, je sais pas, faut regarder, je crois pas. On a ouvert du Evil Heroes et on a vu justement une petite illustration de Voltorb qui était... Monsieur Komiya. Oui, Komiya. Ah bah tu vois. C'est le même, ah, mais ouais. On reconnaît direct sa patte. Là, ça vient de Evil Heroes et là, ça vient du coup du S7R. Et vous voyez, on reconnaît vraiment sa patte. C'est fou. Hein. Il a un style hyper particulier. Ah, mais t'as l'œil, hein, en vrai. Ben, en même temps, c'est assez particulier, je trouve, quand même, les couleurs et tout. Tu vas me tuer, mais je crois que j'ai encore une belle carte. Oh, mais moi, j'ai rien, là. Alors, Serfrousse. Ok. Sablette. Sablette. Ok. Oui, on sait pas. Oh. Rayquaza. Rayquaza V. V. Troisième V, quand même. Donne-moi. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois... C'est ton côté. Voilà, j'ai l'impression que le côté gauche, pour l'instant, il est vachement chanceux. Hein. Mais à tout moment, tu vas rien ouvrir, mais c'est toi qui auras la secrète. À tout moment. À tout moment, je vais me taper toutes les V et toi, tu vas avoir la secrète. Donc... Il y a combien de cartes dans un booster? Je sais plus. Bah, 5. Bon, toi, j'ai rien de fou encore. Bah, oui. Allez, c'est parti. Vachement light, hein, à moi. On enchaîne, là, on perd pas de temps, on est on fire. Posipi Negapi. Encore. Une holo. Ça a l'air saine. Il est vraiment beau gosse par contre. Hein. Wow. Oui, j'adore ça. Il est trop beau. Attendez, je vous montre parce qu'il est vraiment magnifique. Ah, il est vraiment chouette. Il est archi beau. Mais des fois, on est tellement absorbé par les secrets. Ouais. Il faut qu'on prenne le temps de regarder les petites illus parce que même elle, en vrai, moi, je trouve qu'elle est trop ouf. De fou sardines comme ça, là. Ah ouais. Vraiment un torrent de sardines qui chiale. On y croit. Alors, je vais mettre ça ici, on n'a plus de place bientôt. Alors, sablette. Hop. Et après, Amaryllis. Ok, bon, moi j'ai toujours... Tranquillou, quoi. Ouais. Moi j'ai Moutmout derrière, donc pas mal. Ouais, vas-y. Pardon. Hop. Ici. Ouh, j'ai Goopix, vraiment très mignon. Elle est super douce, l'illustration, en plus. Ouais. Celle-ci, on l'a déjà eu tout à l'heure. Et ok, petite énergie tranquille. Moi j'ai rien hein, depuis tout à l'heure quand même, faut le savoir. Bah ouais. Alors, oh, t'as la secrète, J'ai la secrète. J'ai vu, c'était une secrète, soit une V, soit une traîneur. Je sais pas. Moi je crois que c'est une V. Alors, attention. Ah, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle celle-là. Ouais. Dites-moi que c'est un beau poké. Oh non, il est moche. Mais quelle galère. Quel gâchis, Il est moche, Bito, il est moche. Oh, on est foutu. On a eu l'arbre. On a eu un arbre. Bon, les gars, on a eu un arbre. Tu peux avoir lui et l'arbre. Et l'arbre, voilà. Ouais. Bon, allez, on a l'arbre. Salut. Allez. On a eu un magnifique arbre. Voilà. Mais je t'avais dit, c'est toi qui allais piocher la secrète. Hein, mais t'aurais pu piocher un truc un peu plus sympa, quoi. Bon, bah. Galère. Sympa. Et peut-être que si on a une petite, est-ce qu'on n'aurait pas une autre plus grosse à côté? Franchement, non. Ok, bon. T'as anéanti tous mes espoirs. Désolé. Par contre, cette illu est hyper mime, ça. Ouais, mais on a eu un arbre. J'avoue. Bon, je vais mettre de côté l'arbre. Je suis désolée, je suis obligée de te mettre de côté. C'est vraiment bon, c'était... J'avoue, on va pas te mettre en avant tout de suite. C'est Coquillas. Goopix. Une jolie holo, par contre. Elle est belle. Pas mal. Ok. On est pas hypé tout de suite. Non, il manque un truc, quoi. Il nous manque un petit truc. Bon, j'ai une V. Ouais, il faut une jolie V, alors. Sablero. Ok, bon. On n'est pas sur une superbe V. C'est pas la plus belle V du monde, mais c'est une V, je rappelle que t'en as tiré aucune. Hein. Oui, merci Manon, du coup. C'était avec grand plaisir. C'est vrai, j'ai tiré aucune V et j'ai tiré une secrète arbre. Mais j'ai pu tirer avec toi, je pense. Non, mais je te dis, pendant un moment, je tirais que des secrètes marches aussi, donc je pense que c'est... Ok. À toi. Allez, c'est parti. Je prie des coups. Je prie des coups. On n'a eu aucune Vmax, hein. Fenard. Hyper jolie. Super belle, par contre. J'avoue, c'est qui? Matsuna. Ah oui, il me dit quelque chose, cette illustrateur. Matsuna, bah, franchement, super. Celle-là, elle est mignonne aussi. Celle-là, elle est pas mal, ouais. Ok. Il y a tellement de Pokémon que c'est difficile de tout retenir, en plus. Bah, moi, je galère, hein. Franchement, je les connais pas tous, hein. Ouais, bon.
Des fois, en plus, vu que des fois je lis les prénoms en japonais, puisque vu que maintenant je lis le japonais, que en plus je les collectionne parfois en anglais, et qu'en plus, ah ouais, non mais je sais c'est pas comment tu fais. Hein. Bah moi, il y en a plein, je m'en souviens plus. Hein. C'est pas possible. Ou alors des fois, tu sais, la dernière fois, je parlais avec un abonné, il me parlait de Dracaufeu, et tu sais, instinctivement, je lui ai dit Charizard. Et tu sais, il était en mode, oh mais Charizard, dégueulasse. Mais pour moi, c'est la norme. Il s'appelle d'abord Charizard. Avant tout. Ok. Au total, ça reste, ouais, ça ouais, reste ouais. quand même une très belle nuit. Je crois que j'ai encore une belle carte. Ah bah super. Vraiment, je suis désolée. Hein. On est sur un tirage vraiment équilibré quoi. C'est vraiment. Moi je tire un arbre. Et puis toi tu tires des V max. J'avoue. Aïe Waza. Non mais. Est-ce que je peux sliver du coup? Oui bah vas-y, je t'en prie. À défaut de les tirer, tu peux les sliver. Je peux les sliver pour les regarder quoi. J'accepte, c'est bon. J'accepte. Bon, bien sûr, je m'attends à rien. Non, mais c'est... Voilà, non, mais on est d'accord. Il y a un problème. Par contre, c'est clair que là, pour le coup, c'est absolument pas équilibré. Ah bah non, non. Toi, tu fais tes affaires, là. Tu tires des baies. Moi, je tire des traîneurs et des rats. Voilà, une petite holo. Une petite holo qui fait plaisir. Tranquille, voilà. Bah là, on a eu qu'une V-Max, quand même. Hein. Pour le coup, c'est tranquille. Hein. Alors, du coup, le Vénard, ça bête. Ok. Ah, ça, il y a l'autre aussi, ils sont deux. Hein. Tu sais, il y a le bleu. Je sais plus lequel on a eu tout à l'heure. Ah, je sais plus. Je sais pas si c'est déjà lui. Mais... Je crois qu'on a eu le bleu. Enfin, le bleu. Alors, moi j'enchaîne avec Fenard. Mout mout d'amour. Ah ouais. Un peu plus tranquille, tu vois, ça rééquilibre un peu. Bah, c'est-à-dire, ça rééquilibre, oui, mais c'est. Ça fait quand même 10 minutes que je tire. que je ne tire rien en fait. Oui, mais. Et en plus, je t'ai déçue. La seule secrète que j'ai tirée, c'était la. C'était la pire. C'était la pire. Y aurait-il une justice peut-être, aujourd'hui? Peut-être. Ok. Une belle V-Max. Ah bah écoute, attends. Oh, en plus, t'adores Léviathan, ouais, donc pour le coup. J'avoue, pas trop mal. Je fais tomber encore une carte, ça fait la deuxième que je fais tomber. Oh, je ne maîtrise plus rien. Non mais. Je n'ai plus aucun contrôle sur mon bras. Voilà. En vrai, lui, je l'adore. Cette île, elle est trop belle. Je sais plus comment il s'appelle celui-là pour le point. J'avoue, un peu honte à moi, mais elle est vraiment jolie. Et les Zoun. Ah bah ouais, mais bon. Que veux-tu que je te dise hein? Bah, c'est... bah ouais, que mais... veux-tu que je te dise? Moi, je ne sais pas. Attends. Je ne sais pas quoi te dire. Mais on a un peu mélangé là. Oui, j'ai l'impression que parfois il y a. On a eu des problèmes même, de couleurs. Je sais plus. Tout à l'heure, j'en ai replacé. Je crois qu'il y a un dragon qui est fait partie dans l'herbe. Non, enfin non, bon, mais voilà. On s'arrangera plus tard. Ah, c'est la fin là. Donc on a eu un problème de booster aussi. S'il en manque un, il y en a un. Visiblement, on a eu un petit souci. Tu as tiré plus que moi en plus. Vraiment insupportable. Ah, encore. Bon. Bon, on est toujours sur. Voilà. Ah, j'ai encore fait tomber une carte. Donc. Ah non. Mais c'est incroyable. Aucun respect. Hein. Non, mais je vais tout récupérer. Ok. Et le petit Pharamp. Pharamp, il est vraiment beau quand ouais, même. J'aime moi, je trouve que quand même, il y a des trucs. Et là, dans le set, je vois pas, on n'a pas un Osley dans ce set, non? Ça me dit rien. Dernier booster. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aurait quelques. Oh, une petite. Qu'est-ce bon, que une nouvelle holo, ok. Ouais, on n'a pas eu ça là. Oui, celui-là, okay. Qu'est-ce qu'il fait? Il vomit. Il vomit. Est-ce qu'il vomit? Je pense. Dites-nous dans les commentaires, mais je pense qu'il vomit. À moins... Ah, mais qu'est-ce que c'est en non, il fait pas, tu, il fait pas comme Kirby, genre il aspire en fait plutôt de l'air. Ah oui, ça a l'air de oui. Venir. Oui, oui, si on regarde plus, c'est vrai que ça a l'air de. Il a l'air d'aspirer l'histoire. Mais d'aspirer même. Quelque chose à couleur jaune. Bon, bah très bien, très bien. Allez, bon, bah, je suis heureuse d'avoir craqué mon display. Non mais bon. Non mais c'est bien de sceller des fois quand même. Bon bah voilà. Est-ce qu'on rappelle la secrète quand même? La magnifique secrète qui vaut clairement le coup d'œil. Voilà, je suis en amour total. Vraiment très ravie d'avoir eu cette secrète. Hein. Merci beaucoup. Pourquoi je me sens coupable là, d'avoir tiré un arbre? Bah c'est pas moi je sens ton regard. Non mais. Moi je sens ta déception sur le tirage. Non mais de toute façon je te le dis pour. Ah vous tu l'avais pas. J'avais pas. Voilà, on a... Déjà. Des VMAX là aussi. Ouais, quand elles même. Sont quand même plutôt pas mal. Léviator et Rayquaza. Deux VMAX dans la display par contre seulement. Pas beaucoup. Je sais plus ce que j'avais eu la dernière fois. Voilà.
Mais c'est pas mal, franchement je suis contente quand même. On va trier tout ça, on va regarder s'il y a de quoi faire un petit set peut-être. Je sais pas. Pourquoi pas, ouais. On va regarder. C'est moyen. Bon bah voilà, c'était une petite ouverture tranquille, rien d'exceptionnel, mais ça fait plaisir quand même. Ouais. Bonne aimée. Toujours sympa. Oui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à propos des cartes Pokémon ou du Japon. Salut tout le monde.